Je sais pas si vous connaissez ça aussi. T'es pas énervé. Une personne, elle vient, elle provoque, elle t'énerve, et après, elle te dit, ah, tu vois, t'es énervé. Ah, non, non, j'étais pas énervé avant que tu m'énerves. On va voir quoi. On va voir quoi. Hein? Les gens, ils veulent t'amener à une réaction. Ça, c'est... Alors, je vous le dis ici, on va pas faire un cours là-dessus, mais on pourrait. C'est caractéristique également des pervers narcissiques. Pas ceux qui subissent, hein, ceux qui font ça. Ceux qui font ça, caractéristique, bien mis, de... du pervers narcissique, le PN. Il vient, il te pousse à bout, il te pousse à bout et après il te fait culpabiliser. J'ai déjà subi ça, j'ai rencontré quelques PN. Avant même de savoir que c'était des PN, j'ai dit, ils ont des comportements bizarres ces gens-là, moi. Après, j'ai vu un peu les caractéristiques des PN, je me suis dit, mais pourquoi elle me fait ça, la personne? Tu vois ce que je veux dire? Mon frère, ma soeur. Excusez-moi, je regardais quelque chose sur mon téléphone. Yanni, pourquoi elle me fait ça? Moi, je ne comprenais pas. Je suis bien, je suis en paix. La personne dont elle vient, elle me provoque, elle me dit des choses. Donc forcément, je suis un être humain. Bon, je devrais pas, hein, bien sûr, mais j'ai un nef. Ça m'énerve et je... Voilà. Ah, mais tu vois, toi, t'es comme ça. Et après, il fallait que je vienne m'excuser auprès de cette personne-là. Plusieurs fois, ça m'a fait ça. Au bout d'un moment, je me suis remis en question, c'est-à-dire remis en question, toujours sur ce principe de dignité et d'amour propre. Je me suis dit, mais j'avais rien fait, moi, à la base. J'ai réanalysé les situations, je me suis dit, moi, j'étais bien, tout allait bien. J'ai réanalysé, j'y allais venu. Elle me provoque, et ça c'est une caractéristique du PN, il vient provoquer, pousser les gens à bout, voilà, pour ensuite les faire culpabiliser, et ensuite récolter même, il récupère des excuses carrément. C'est lui qui est fautif, ou c'est elle. Fuyez les pervers narcissiques comme la peste, fuyez-les, même si Ernie fût-il père et mère. On garde le lien, on n'a pas le choix, c'est des gens toxiques. Parmi les gens négatifs que je citais tout à l'heure, les PN, c'est une catastrophe. Et si t'es marié à un PN ou à une PN, divorce. Il n'y a pas d'autre solution. Divorce. Il n'y a pas de... C'est supportable un temps. Le bout d'un moment, vivre avec quelqu'un qui a énormément de caractéristiques du pervers narcissique. Non. Personne qui a toujours raison. C'est pas le sujet du cours. Hein. Vous allez me dire, mais voilà, la provocation par rapport aux jeunes. Hein, les gens, des fois, ouais, on dit, tu vois, t'es sur les dents, t'es énervé. Et je disais, ça me rappelle les gens comme ça qui toi, tu n'as rien fait et qui viennent te faire du tort et après te demande presque des comptes. Donc, pour revenir sur le PN, si ça vous intéresse rapidement, il y a plusieurs choses qui peuvent alerter. Voilà, personne n'a toujours raison. Hein. C'est pareil, Annie, elle a toujours raison. Constamment. Quelqu'un qui... Beaucoup de kibre, énormément de kibre, un kibre exacerbé. Ils appelleront ça fierté, c'est... C'est pas toute personne après qui a de la fierté qui est PN. Hein. PN, c'est... Un regroupement de mauvais comportements, on va dire, de maladies de l'âme. Voilà, c'est ça un PN, un pervers ou une perverse narcissique. C'est un regroupement de maladies de l'âme. Mais sinon, une personne peut avoir deux ou trois maladies de l'âme, elle n'est pas PN pour autant. Elle n'est pas dans la perversité narcissique, vous comprenez? Il ne faut pas non plus exagérer. Il y en a, ça y est, ils voient des PN à tous les coins de rue. À ce moment-là, moi aussi, parfois, je suis un PN. Et toi aussi, tu es un PN. Non, on a des maladies de l'âme, parfois, quand on nous guérisse, ou soit ils nous guident et nous pardonnent. C'est pas ça. Mais quand tu commences à avoir 5, 6, 7, 8, 10, 12 caractéristiques du PN. Donc voilà, beaucoup d'orgueil, un avis sur tout, tout le temps, il connaît tout, voilà, écraser les autres, humilier mais avec subtilité. Et PN, ils arrivent pas en disant « Ah, toi t'es comme ci, ah, toi t'es comme ça », ils veulent te faire comprendre que toi t'es comme ça. En fait, ils veulent que t'en viennes à la conclusion toi-même que tu n'es, Ernie, qu'un déchet, pour rester poli. Que tu n'es qu'un déchet. Mais c'est toi qui dois venir à cette conclusion-là, vous comprenez? C'est pas lui qui va te dire, hey, toi, t'es un déchet. Toi, là, je te pointe du doigt, t'es un déchet. Non, trop direct. Trop direct, la personne va se braquer, il y a pourquoi il m'agresse celui-là. Il fait comprendre, tu devrais faire comme si, t'aurais pas dû faire comme ça, eux, ils ont fait comme si, et toi, t'as pas fait comme ça. Et toi, tu te dis à la fin de ta journée, je suis un déchet. Et lui, il est content, il jubile, il jouit, le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Et parfois, c'est ton conjoint. Non, mais c'est réel ce que je raconte ici. C'est réel. Et toi, tu l'aimes toujours parce que c'est ton conjoint. Tu dis peut-être qu'il a voulu me conseiller, etc. Il veut te détruire ou elle veut te détruire. Une personne qui t'aime te dira jamais ça. Une personne qui t'aime, elle va y en nier. Elle va parfois te dire tes quatre vérités, effectivement, parce que il faut que ça pète un bon coup. Mais sinon, elle te rassure, elle te y en nier. Elle t'enlace, elle te rassure, elle voit du bien en toi. Je sais pas, c'est la personne qui partage ta vie, n'est-ce pas? Donc je vois pas, en fait, je vois pas. C'est toujours de l'encouragement, de l'amour, voilà, du bon soupçon. Repérez les gens, sachez repérer les gens et évitez de vous amouracher
à des gens, même si ça fait des années, hein, qui vous font du mal, y compris donc les pervers narcissiques, et puis les gens de manière générale, PN, pas PN, qui sont toujours en train de vous rabaisser, de ne pas vous donner de valeur finalement, toujours. C'est toujours là, c'est des dominateurs ou des dominatrices aussi, les pervers narcissiques, c'est des meneurs, c'est des leaders, etc. Je pense qu'on va pas faire court sur la perversité narcissique, mais il y aurait beaucoup à dire. Il y aurait beaucoup à dire sur ça, et je pense qu'on a tous connu, Allah a'lam, peut-être tous connu quelqu'un, Yanni, qui rentre dans ce mal-là, dans cette manière d'être. Et jamais un pervers narcissique n'avouera qu'il est un pervers narcissique, même si tu lui mettais toutes les caractéristiques sous les yeux. Il est orgueilleux. La base de l'orgueilleux, c'est qu'il ne reconnaît pas, quoi, son orgueil. Puisqu'il est orgueilleux. Allez demander à un hypocrite s'il est hypocrite. Bah non, il est hypocrite. Allez demander à un monstre s'il fait du mal. Allez demander à Adolf Hitler, enfin, compliqué maintenant, s'il pensait avoir fait du mal. Non, il a fait que du rire. Allez demander à un orgueilleux, t'as de l'orgueil. Ça y est, une personne, quand elle commence à le dire, oui, j'ai de l'orgueil, ça y est, elle soigne son orgueil. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun orgueilleux pur et dur, ou orgueilleuse pure et dure, qui va le reconnaître, puisque orgueil. Vous avez compris le cheminement, hein ? Donc si une personne, elle dit, oui, je reconnais, j'ai fait preuve d'orgueil, déjà, alhamdoulilah, c'est faire preuve d'humilité. Il est en train, ou elle est en train de casser son kibre. Alhamdoulilah, en voie de guérison. Moi, j'ai parlé avec des gens. Non, je n'ai pas d'orgueil. Non, je ne suis pas comme ça. Non, je ne suis pas comme si un tel... Enfin, tout ce que tu me rapportes là, c'est faux, tu fabules. Et après, par des théories très... On y poussait, hein. Tu vas voir un PN, tu lui dis, il est comme si, il va te faire des théories poussées, il va te faire, des tomes et des tomes. Boulou al-Mahram, à côté, femme, c'est un prospectus. Vous avez compris la métaphore. Boulou al-Mahram, c'est 1500 pages, en français. Voilà, métaphore pour dire, il va te faire un exposé, 3000 pages, te prouvant par A plus B que c'est toi qui es idiot, que c'est toi qui es imbécile, que c'est toi qui es méchant, et que c'est toi qui devras t'excuser à la fin. Pas la personne. Toi, tu venais juste ni dire ça va pas. Non. C'est un orgueil qu'elle va jamais reconnaître. Au contraire, elle va te prouver par A plus B, mais c'est des A plus B de PN, donc des A plus B faussés, biaisés. Elle va te prouver par A plus B qu'elle est clean, et qu'elle est très bien, et qu'elle est correcte, cette personne-là. Nam, elle a une belle âme, et que c'est toi qui as un problème. C'est toi qui es méchant, et à la fin, tu vas dire, ah, excuse-moi, pardon. Bah, non, je peux vous dire que c'est difficile. Je peux vous dire que c'est très difficile. Mais ces gens-là, il y a rien à faire. Ils avoueront jamais PN, pas PN. Orgueil par orgueil, défaut pas défaut, faute pas faute. C'est des gens, ils arrivent pas. C'est peine perdue, fuyez. Cherchez à convaincre quelqu'un, Yanni, qu'il a ce défaut-là. Ça, faites ça avec des gens qui reconnaissent leur tort. Tu vas voir une personne, tu lui dis, écoute, Harry Ourti, ça, franchement, moi, j'ai pas apprécié. Hein. Et puis, je trouve que ça, c'est pas bien commenté. Ah, mais elle médite la personne, même si c'est pas, elle va changer au premier jour, mais elle te dit, ah, Sahir, barakallahu, effectivement, moi, j'ai du mal avec ça, je suis désolé, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous guide. Il y a quelque chose à faire avec ces gens-là, vous comprenez? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec un PN? Perte de temps, perte d'énergie, ça te ronge, c'est une sensu, il faut quitter ces gens-là. Voilà. Et je répète, hein, ils ne savent pas qu'ils sont comme ça. Ils sont persuadés de ne pas l'être, voire même ils critiqueraient des gens qui le seraient. C'est le comble du comble. Eh, j'ai vu des exemples comme ça. Et une personne va... C'est comme si moi, là, je viens de vous le faire, je vous ai expliqué toute la situation. Et alhamdoulilah, je suis convaincu, hein, franchement, hein, 100%. Il y a des choses, je suis un peu sûr, mais ça, je ne suis pas un PN. Parce qu'il y a des dalils qui ne trompent pas. Je sais que je ne suis pas un PN. Je peux être ceci, je peux être cela. Mes défauts, je sais les reconnaître, mais je ne suis pas un PN. Parce que non. Parce que ces caractéristiques-là, c'est vraiment pas ma personnalité. J'ai d'autres défauts. Alhamdoulilah, j'en ai bien d'autres, mais pas cela. Eh bien, Yanni, tout comme moi, je vous exposais ce qu'est un PN. Une personne pouvait faire un cours, hein, sur la perversité narcissique, un cours complet, mieux que moi. Et elle est un PN. Elle rentre dans le cadre PN. Ajib, subhanallah, ajib, ajib. C'est comme les hypocrites qui vont vous parler de foi. Cette dualité. ou des... Comment dirais-je? Des filles, Yanni, qui font des choses hachèques, qui vont vous parler de pudeur. Ouais, on a déjà vu ça. On a déjà vu, Yanni, entendu des cas, ça distribue même des livres sur la pudeur, Yanni, c'est le sitar, l'élégant, et derrière des choses que vous pouvez même pas imaginer. Hein. Des choses ici, peut-être que ça vous ferait froid dans le dos. Ouais, mais froid dans le dos. Vous savez ce que ça veut dire, froid dans le dos? C'est pas juste aller faire un bisou à quelqu'un, froid dans le dos. Des histoires très très sales, comme on dit, très très sales. Donc des fois, Yanni, le PN, il vient de dire que c'est pas bien les PN. La
je vais pas aller jusqu'à dire la prostituée, mais la fornicatrice, on va dire, voilà, pour être clair, la fornicatrice vient de faire des cours sur la pudeur, hein, le traître vient de faire des cours de loyauté, ok, l'hypocrite vient de faire des cours de foi, ok, Mashallah ou Ta'ala, c'est très répandu de nos jours, c'est très répandu. Rares sont les gens sincères, vrais et authentiques. Tout est son contraire. Tout est son contraire. Et les plus grands donneurs de leçons sur un sujet, ils ont parfois, pas tous, mais toutes les caractéristiques contraires. Et Ajib, qu'Allah nous préserve des doubles masques, on a tous des défauts, on a tous des erreurs, je le rappelle, c'est pas parce que dire, lui il prêche, ah il a pas de péché, il a pas de défaut. J'ai des péchés, j'ai des défauts. Ça c'est pas quelque chose que je vais démentir. Qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide et nous améliore. Naam. Vitamine, hein, à chaque fois que je fais de Dora. Mais, c'est pas la question. Mais, comme j'expliquais toujours, un minimum de cohérence. On peut pas dire, ah, lui, il prêche, ou celle-là, elle a un voile, elle a pas de péché, il a une barbe, il a pas de péché. Non, on a tous des problèmes, des manquements. Mais on essaye un minimum d'être cohérent et d'être sincère. Et il y a des gens, c'est toutes les caractéristiques opposées, vraiment. C'est un non-sens, en fait. C'est pas simplement une personne humaine qui a des péchés, comme tout le monde, et des défauts. C'est tout et son contraire, comme un PN qui vient vous dire que la perversion narcissique c'est un fléau. C'est un petit peu comme si que j'arrive avec une bouteille de whisky et je vous dis que l'alcool, Yanni, c'est un fléau. D'accord? Ouais, comprenez? Voilà. Également, le PN, il a un côté, Yanni, caméléon. Plutôt pas caméléon, mais il va être avec des gens d'une certaine manière et là, il va donner une très bonne image avec les gens. Les gens n'auront pas à se plaindre de lui, mais sur sa proie, et en est sur sa victime, donc, il va développer et mettre en exercice toutes ses caractéristiques de PN. Donc quand la personne victime va, on va dire, déjà premièrement, reprocher à la personne, reprocher au pervers narcissique ou à la perverse narcissique, c'est son trouble, son mal. Il dit n'importe quoi, il n'y a que toi qui le dis. Ça, c'est les PN, ils disent ça, il n'y a que toi qui dis ça de moi. J'ai jamais entendu ça de moi, c'est n'importe quoi. Tu fabules. Encore une fois, PN veut t'abaisser, il te fait passer pour un fou, pour une folle. Tu dis, ah, peut-être que j'avoue, j'analyse mal les choses. T'as très bien analysé en vérité, il faudrait pas être rien ni. Vraiment, pas besoin de faire des grandes études pour analyser certains comportements de la sorte. Mais c'est malin. Parce qu'effectivement, cette personne-là, elle agit de la sorte qu'avec toi. Donc tu es le seul témoin de cela. Donc elle va te dire, personne ne me l'a dit à part toi. Et ça, c'est la première des choses, elle va te le dire. Et puis, effectivement, si tu questionnes les gens, bah non, il ou elle n'est pas comme ça. Nous, on la connaît autrement. Tu racontes n'importe quoi, c'est toi qui es bizarre. Donc encore une fois, tu passes pour le bizarre, tu culpabilises alors que tu n'as rien fait. Hé, le PN, vraiment, c'est dangereux. Le ou la PN, c'est du poison. Ces gens-là, c'est des manipulateurs. Des calculateurs, des vicieux, des mauvais. Wallah, et qu'Allah les guide. Qu'Allah les guide. Avec toi, ils vont agir d'une certaine manière. Avec les autres gens, ils ont un tout autre masque. Et du coup, ils passent parfois pour des gentils. Et toi, tu passes pour la personne folle. Alors que tu as subi le mal d'un ou d'une détraquée. Hein. Parce que là, franchement, on en arrive à dire que ce sont des détraquées, ces gens-là. Il n'y a pas rien. Comment se lever le matin? Ou même pas, mais même dans la journée, mais avec une volonté de faire mal à quelqu'un, de vouloir la briser, c'est garder quelqu'un sous son emprise, et puis le tuer à petit feu, en fait, finalement, l'user, et le PN trouve une certaine donc jouissance, voilà, je dis, lorsqu'il te voit justement te consumer, lorsqu'il te voit être mal, là, c'est là qu'il puise son énergie, et lui, il avance avec ça. Allah Moustaïn. Et il y en a partout, même dans notre communauté. Allah Akbar. Qu'Allah nous préserve, voilà, je disais, c'est pour ça que j'ai dit ça, d'être des doubles masques. Double masque, c'est pas avoir des manquements alors que tu t'engages dans la piété d'une autre partie. Ça, c'est être un être humain. Des doubles masques, c'est plus poussé. C'est vraiment. Une face le jour, une face la nuit, une face le lundi, une face le mardi, une face avec les uns et une autre face avec les autres. C'est pas simple. Pas simple. Allah Musta'an. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.